Bonjour à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dogs News concernant The Last of Us Partie 2. Nous voilà aujourd'hui à 3 mois de la sortie de cette suite, soit un total de 112 jours. En attendant le début de la campagne promotionnelle du jeu et d'avoir de nouvelles et nombreuses informations officielles, il faut scruter à droite et à gauche pour trouver de petits détails. Les acteurs Troy Baker et Nolan North, qui jouent les rôles de Joel et David dans The Last of Us, se sont lancés dans une série de let's play sur le premier opus de The Last of Us sur la chaîne YouTube RetroPlay. Dans le 12e épisode diffusé hier, une invitée surprise a fait son apparition. Il s'agit d'Ashley Johnson, l'actrice qui incarne Ellie dans les deux jeux. Au bout de quelques minutes de jeu, Troy Baker, qui joue dans le village enneigé avec Ellie, va se servir de son arc et va indiquer que dans la vraie vie, Ashley Johnson est très douée dans cette discipline et ce dernier lui demande comment est-ce que cela se fait que dans la vraie vie, Ashley Johnson sait manier l'arc. Et la réponse est plutôt surprenante puisque la jeune femme indique que si elle est aussi douée, c'est parce qu'elle s'est beaucoup entraînée, tout simplement, pour le second opus de The Last of Us. You actually are good with the bow. I am good with the bow. Like for real, for realsies or realsies? Where did that come from? That came from wanting to get better at that skill for. Dang it. I wonder if I can say this. I wanted to get better at it for the second game. Why couldn't you say that? I don't know. Everybody knows we're making it. Yeah, I just, you don't know. I mean, there might not be an option in the game. C'est donc officiel, l'arc fera bien son retour dans The Last of Us Partie 2 et son utilisation risque d'être bien plus précise et efficace que dans le premier opus. Le tout est maintenant de savoir jusqu'où la firme californienne poussera le réalisme et l'utilisation de cette arme. Pour cela, il va falloir patienter encore une centaine de jours avant de pouvoir poser la main sur The Last of Us Partie 2, toujours prévu pour le 29 mai 2020 en exclusivité sur PS4. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dogs News. N'hésitez pas à laisser un commentaire, de mettre un gros like et de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer des actualités de Naughty Dog. Et nous, on se dit à très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous !